Salut à tous, c'est Mélo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fimo. La dernière fois j'ai fait une vidéo tag, donc je me suis posé des questions au niveau de la Fimo, j'y ai répondu et je vous ai montré quelques créations. Donc je vous avais dit aussi que j'avais mis à la poubelle quelques créations Fimo, mais en fait je les ai gardées. Et oui, il y a Miku qui m'accompagne parce que je ne peux plus m'en séparer. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes créations ratées, donc pas la peine de dire en commentaire que c'est de la merde et tout, c'est normal, c'est le but, si elles sont ratées, c'est qu'elles sont ratées. En fait je trouvais ça sympa de faire ce genre de vidéo et je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de ce genre, mais je me suis dit tiens, si je la faisais aussi, ça serait pas mal de vous montrer à quel point j'étais une grosse calamité quand j'ai commencé la Fimo. Donc c'est parti. Ça c'est mon tout premier macaron, donc voilà. Fimo raté parce que j'aimais pas la couleur et je trouvais que ça faisait un peu Monster Munch croisé avec du BN. Donc le voici, voilà, avec le signe BN derrière, un peu raté. Donc si vous voulez un tutoriel comment faire des moules au niveau des BN et des Oreos, il n'y a pas de soucis. J'ai fait un Oreo à partir d'un moule. Donc le voici, c'est pas beau, c'est pas droit, c'est moche, c'est dégueulasse. Boucle d'oreille, donuts. Donc je me suis amusée à faire une toute petite part de gâteau. Donc je pense que c'est une tartelette au frais, je ne sais pas, c'est moche, c'est horrible. Je suis encore amusée à faire des boucles d'oreilles. Donc j'avais fait des boucles d'oreilles en macaron. Je sais pas pourquoi je les ai mis dans la catégorie des moches, parce que moi je les trouve pas si dégueulasses. Mais je trouve que les macarons en fait sont trop plats et les coques sont beaucoup trop plates. Voilà. Donc je les avais montés en boucle d'oreille, comme d'habitude. Et c'est vraiment raté, vous voyez, il y a des couleurs partout, c'est sale, c'est mal fait, j'aime pas du tout. En plus, le truc est beaucoup trop petit. Donc voilà. Voilà. Pour quelqu'un, pour le papa de quelqu'un, je devais faire un Paris-Brest. Et en fait, je tentais de faire des Paris-Brest et celui-là était complètement raté. Donc je vous promets que l'autre que j'ai fait était vraiment splendide. Ensuite j'étais dans la période sucette. Je faisais que des petites sucettes et j'aime pas du tout. Donc voilà, elles sont pas droites. Le truc est pas droit, il y a des trucs blancs dessus. C'est sale, je trouve ça vraiment sale. Désolée pour la mise au point, j'ai pas trop. Et dans une période rainbow cake. J'en ai même fait un vrai mais il était raté à mort. Donc je sais pas pourquoi je me suis amusée à faire ça, franchement c'est de la pâte perdue, on peut te dire, parce que c'est vraiment moche. Voilà, j'ai fait une espèce de zigouille. Ça, donc après on a l'autre. Voilà. Paillettes dessus, c'est dégueulasse. Voilà. Et pour vous montrer. Donc ensuite, je voulais faire un truc Minecraft. Parce que Minecraft, c'est ma vie. Je voulais faire un creeper. Donc j'ai fait un mini creeper. Voilà, tout à fait dégueulasse. Donc voilà, un gâteau avec l'intérieur texturé et tout, voilà. Donc je l'ai fait raccrocher, j'ai mis Happy Birthday, voilà, carrément. Mais il est tout plat, c'est moche. Ça c'est une part de gâteau, il est intéressant. Ça c'est mon tout premier gâteau. Voilà. Ça c'était des petits trucs comme je vous ai montré l'autre fois, mais complètement raté en fait. Voilà. Ensuite j'ai essayé de faire un gâteau, je ne sais absolument pas ce que c'est comme gâteau. Et ne me demandez pas en commentaire parce que je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai pété un câble ce jour-là, je sais pas. C'est moche, c'est pas beau. C'est de la crème. Et puis ça c'est un macaron que ma mère aimait bien. Parce qu'il y a une petite cerise au-dessus et tout. Donc je sais pas, elle aimait bien. Mais moi j'aime pas parce que c'est mal fait.
Donc voilà pour les créations ratées de mes Fimo, c'est magnifique, ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres genres de vidéos avec de la Fimo et tout, demandez-moi, je les ferai avec plaisir. Du coup, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!